Alors, chez Direct Energy, notre objectif, c'est d'aider nos clients à comprendre et à agir sur leur consommation d'électricité. Donc, on a réfléchi à des services qu'on pouvait proposer à nos clients autour du coaching conso. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée du chatbot. Donc, toi, Joe, un assistant conversationnel pour aider nos clients à mieux maîtriser leur consommation d'électricité. C'est une combinaison de trois facteurs. Le premier, c'est le nouveau compteur communicant Linky, qui permet de récupérer des données de consommation électrique au jour le jour, ce qui n'était pas possible avant. Le deuxième, c'est qu'on voulait lancer depuis longtemps un système de coaching conso, à la fois pour nos clients, mais aussi pour nos prospects. Et le troisième, c'est la plateforme Facebook Messenger, qui est maintenant ouverte depuis un peu plus d'un an au développement de chatbots, et qui également nous permet de toucher non seulement nos clients, mais aussi nos prospects. Donc on a choisi de se faire accompagner par Viséo pour leur expertise dans les chatbots et aussi pour leur accompagnement sur la méthode agile parce que l'enjeu pour nous c'était de développer un prototype ultra rapidement pour avoir des retours utilisateurs et pouvoir tester les fonctionnalités avec un vrai public. Et c'est en ça que Viséo nous a accompagnés avec une méthode, on a délivré un prototype en 8 semaines avec des sprints très courts de 2 semaines et des tests utilisateurs sur chaque sprint. Donc on a aussi développé notre capacité à délivrer des projets, un projet rapidement. On a vraiment co-créé Joe avec Viséo autour de la méthode agile en 3 phases principales. La première, c'était de définir une personnalité pour Joe. La deuxième, des dialogues, l'ensemble des dialogues de tout le programme de coaching. Et la troisième, ça a été le développement et les tests itératifs. Et donc, Joe, tu as été développé en open source, ce qui va nous permettre plus tard de te faire évoluer en fonction des nouveaux besoins qu'on aura identifiés. Oui, alors on est super content de toi, Joe, parce que donc on a réussi à délivrer un chatbot de coaching conso en un temps hyper court. On a réussi à recruter des centaines d'utilisateurs qui ont conversé avec Joe, qui ont reçu des conseils de Joe et qui ont été coachés. On a aussi été les premiers à lancer un service qui vient exploiter les données de consommation Linky, les nouveaux compteurs communicants, pour restituer des conseils qui ont de la valeur pour les utilisateurs. Donc c'est innovant sur le marché de l'énergie. Et surtout, on a plein d'insights consommateurs pour pouvoir développer des nouvelles versions de Joe à l'avenir autour du coaching conso. Oui, on est très content de Joe parce que ta genèse s'est très très bien passée. On trouve que tu es un très bon coach et c'est pas que nous qui le disons puisque les clients et les prospects qui t'ont testé ont trouvé tes conseils très pertinents. Et encore aujourd'hui, plusieurs mois après ton lancement, il y a des gens qui viennent spontanément se faire coacher sur Facebook Messenger. C'est une vraie réussite.